Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon version Noir 2. Alors la dernière fois, nous avions battu les jumeaux ainsi que Nikolai ainsi que Artie. Ça fait beaucoup de monde, les jumeaux du métro Tromba. Ça fait beaucoup de monde. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer. Je veux déjà aller voir ma galerie marchande. Est-ce qu'elle a avancé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que... Non, rien. Ah. Ok. Et rendre... Oh, bah ouais, ouvre ta boutique. Ok, il nous explique. En fait, je suis parti sans qu'il nous explique. Vous deviez gueuler. Chez Janus, restaurant est ouvert. On se ferait une petite collation. Une boisson amitié. On va l'offrir à Riolu parce que l'amitié, c'est ce qui le fait évoluer. Faire influer les visiteurs. C'est le moment de présenter la boutique avec ton premier visiteur. Oh, voici un visiteur. Magasin qui viendrait d'ouvrir chez Janouze. Ok, ça augmenterait. Ok. Bon bah c'est simple en fait. En fait il fallait que je lui parle. J'ai carrément zappé de lui parler. Bon c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré de l'autre côté? Oui. En fait il y a un nombre strict de personnes par jour. Bah, ouvre ta boutique. Voilà. Et il n'y a personne qui est arrivé d'en bas, donc c'est... Ah si si si. Hop. Ah ça, je ne peux pas. Ah quoique si. Chez Janouze. Tu peux. Ouh. Ok. Pas mal. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Ok. Et eh bien voilà qui s'est fait, hein. Finalement c'était pas mal. Il faut que tous les jours donc je vienne revoir ce qui se passe. Donc à chaque nouvelle session, il faudra que je revienne voir. Pourquoi pas? Alors là ce n'est plus l'arène, je crois. Circuit, ancienne arène Pokémon, ouais, ce n'est plus l'arène à l'intérieur. Il y a juste des gens qui se baladent. Ils veulent même plus se battre, je crois. Est-ce qu'on va se battre Inésia tout de suite? Bah oui, on est là pour ça après tout. Mais avant, peut-être... Non, c'est bon. Tu sors, toi, tu cherches la bagarre, c'est ça? Fais. La vie a utilisé les enfants. Pitoyen, il veut à tout prix que je retourne au manoir. Mais c'est logique après tout. Quand on pense à la valeur que j'ai pour lui. Bon, d'accord, je vais bien faire un combat. Et si tu perds, promets-moi de t'en aller, t'as entendu? Ok, je sais pas ce qui se passe, mais... Ok.
Hop, parfait. Bélier, aïe aïe aïe. Forte paume. Tu défends plutôt bien. Mais qui es-tu? Je ne l'ai jamais vu maintenant. Tu n'as pas l'air de faire partie de l'organisation ni de l'hôpital. Ça se trouve que tu voulais simplement affronter. Ou tu m'as abordé parce que tu avais envie de faire un tour devant nous. Enfin, aucune importance, mais vite dans le grand groupe, suis-moi. Non, je déconne. C'est bien ce que je dis. Oh, ouais. Ouf, heureusement que tu as fait comme je t'ai dit. Si tu avais bougé, on serait resté dans le cheveu, qui sait ce qui serait appelé. Oui, je suis poursuivi par une organisation criminelle. Bah, tu n'es pas obligé de me croire après tout. Les gens croient ce qu'ils veulent, c'est pas comme ça qu'ils vivent. Mais écoute-moi, il y a absolument un souci qui ne m'arrive à rien. Il en va de la paix mondiale. S'il m'arrive quelque chose, enfin, disons simplement, j'espère que c'est question de te revoir. Ok, et la championne est ici. Oh, à chérie, je suis déjà une championne absente pour le moment. Mais je sais où elle est. Tout près de l'entrée du parc, elle devrait être dans le bâtiment abritant les montagnes russes. Oh, il faut vraiment aller faire le truc des montagnes russes, ok. Donc faut vraiment faire ça jusqu'au bout, quoi, pour aller la chercher. Enfin, il me semble bien, hein, si c'est ça les montagnes russes, parce que... Toi, tu veux pas te battre? Non. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, c'est là. Oh merde, il veut se battre? Dommage. Enfin, je veux pas refuser un combat, hein. Ça fait un peu d'entraînement, mais bon. C'est parfait. Alors, retour. Hop, voilà. Ça c'est fait. Bon, maintenant j'ai pas pu rentrer dans la montagne russe à cause de toi là. Faut que je réattende encore 2 heures. Voilà. J'espère que je fais pas ça pour rien. Oh non. Bon, de toute façon, le temps que je trouve Inésia et tout ça fera bien la fin de la vidéo. Et ma lapine qui boit et qui fout le bordel. Qui ça me regarde comme ça? Oh, et l'autre qui monte sur sa sœur, putain. Fais chier. Il est pas en âge de faire ça pourtant. Ça doit être l'instinct. Je suis paralysé. Je n'ai même pas remarqué, je regardais mes lapins. Bon bah j'ai plus qu'à me soigner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me soigner là? Oui.
Oh bah, c'est sympa. Oh mais les montagnes russes, elles y sont. Bah c'est là les montagnes russes. Donc ça veut dire que si je l'ai pas trouvé et que j'ai fait toutes les montagnes russes, si je retourne là-bas, elle devrait y être normalement. Normalement. Mais en toute chose, on va les soigner quand même parce que bon, c'est pas que je suis un peu paralysé, mais quand même. Et pour une fois, ce qui est rare, le gars aux médailles n'est pas là. Bravo. Je suis fier de moi. Bon, à mon avis, on va le voir de moins en moins souvent, parce que bon. À force. À force, il n'a plus beaucoup de médailles à nous donner, quoi. Enfin, si, il y en a énormément, mais. Il n'y en a plus beaucoup que je débloquerai, quoi. Alors, est-ce qu'elle est rentrée? Oui. Allons-y. Alors normalement c'est une scène. Ouais. Et j'aime bien. Franchement, cette arène, je l'adore. Alors, c'est une sacrée surprise, hein. Cette arène est une éblouissante podium pour défiler de la haute couture. Mais avant toute chose, voici. Cette arène, c'est bien simple. Il suffit d'avancer tout droit et d'affronter les modèles sur le podium. Tant que j'y pense, les Pokémon sont de type électrique, sont faibles face aux types sol. Par contre, il faut faire attention aux Emolga. Elles ne sont pas sensibles aux attaques sol, eux. Normalement, on a 3 top modèles à affronter, puis on a la championne, la plus belle des top modèles. Et son entrée en scène, je vous jure que pour un jeu de ce genre, l'entrée en scène de cette championne est énorme. Pour un jeu de Nintendo DS. Ils ont fait fort à ce moment-là. Il est rapide ou pas? Il a l'air assez rapide pour m'enlever la moitié du point de vie. En fait, boulet lec, ça dépend de la rapidité du Pokémon. La puissance. L'énergie. Je déteste l'énergie. Pour ce genre de truc, quand c'est pas moi qui l'ai. Sport coton, ça me baisse mon esquive, ma vitesse, je sais plus où est la vitesse. Hop, le truc habituel, j'ai 2 centimes par an, j'aurais peut-être dû en acheter plus. Chaque fois qu'on avance, la musique de la top modèle se modifie. Et la musique finale est énorme. Franchement, quand je dis que j'adore cette arène, c'est pas pour son décor. C'est vraiment pour l'ambiance à la fin que la musique met. Parce que ça fait bien le truc. Surtout que Inesia, elle a changé hein, depuis l'ancienne version. Elle est plus blonde. Et j'aime pas les blondes. Donc, tant mieux pour elle déjà, ça lui donne un point. Et puis, je sais pas, il y a un truc dans cette arène qui me. Dès qu'on voit la championne, ça donne envie de. Ça donne du peps, quoi. Aïe, pas grave. Voilà, là j'ai pas besoin de soigner, tant mieux.
La musique évolue encore. Donc, donc. Et dès qu'on a battu elle, va y avoir un putain de feu d'artifice. Je vous l'assure. Hop, les dents. Et les kids, c'est les plus chiants. Ils sont plus rapides que mon Riolu. Onde de choc, ça devrait aller. Quand même, mais c'est pas grave. Voilà, ah. Pas grave, j'ai un antipara. Il sera mon dernier, donc faut que je fasse attention avec la championne. Et nous allons commencer le feu d'artifice. Vous êtes prêts? C'est ça que j'adore, cette ambiance là. Électrisante et tout ça, avec des images d'elle. Je la trouve vraiment pas mal. La fille et la musique, bien sûr. Alors attendez, je vous laisse juste un instant là, je pose mon casque et je me cherche à voir parce qu'à force de parler ça... Je coupe pas, vous inquiétez pas. Voilà, me revoilà. Allons-y. Commençons à la combattre. Ok, je vais enregistrer et vous reprendre juste après. Allez, à eh bien, voilà tout à tous. C'est parti pour la championne du coup. Quelle équipe brille de l'éclat de star? La tienne ou la mienne? C'est le moment de vérité. Allez, allons-y. Entre temps, j'ai été soigner les Pokémon et j'ai sauvegardé comme ça. Et j'ai même pris d'autres Pokémon hein, parce que. Juste au cas où il fallait que je les soigne ou tout ça, vous savez. Les Pokémon échangeables, quoi. Oui, et j'ai mis Gros Tichon en premier. Comme ça, ce sera plus simple. Aïe, 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 aïe. J'aime pas cette attaque, elle me fait chier. Elle est assez puissante et en plus... Enfin, elle lance à l'énergie. Oh, si mon... S'il est paralysé, mon Gros Tichon... Oh putain. Elle renvoie un émolga. Eh merde. Et bah vous voyez, là c'est le moment. Non pas putain, putain. C'est le moment d'envoyer un Pokémon recevoir le coup à sa place. Putain, bonne résistance et énergie. Il peut encore résister à un... C'est pas un bélier. Ah si c'est bon. Voilà. Ça c'est fait. On leur pose des malus, hein, c'est beaucoup mieux comme ça. Et là pour le dernier coup, du coup, on va soigner Gros Tichon. Yes. Ça nous donne un tour de plus. Soin statue, on va utiliser une glace volutée qui soigne de tous les problèmes de statue.
Alors, ça me fait des points de vie plus vu qu'il est en statique, voilà. Et on voit Riolu terminer le travail avec retour. Qui devrait suffire à le mettre KO. Voilà. Un Pokémon de KO. Il renvoie Emolga. Je pensais pas être obligé un jour de stratégier contre un champion. Quand j'ai vu ces niveaux, j'ai fait ouais. Obligé de stratégier. Direct. Autichon à 100 points de vie, ça y est. Alors. S'il fait changer clair, elle va sûrement me lancer son Pokémon qui va être Zenix. Et 3 chars. Oh, ce que je lui ai mis. Merci, gros tichon. On s'enchaîne de surprise en surprise. Tac, le feu. Normalement, c'est énorme, ça. Oh oui. Oh. À la place de Roulade. Oui, on va pas prendre de risque, on va envoyer un tas de morts. Est-ce que tas de morts résisterait? Alors, est-ce que tas de morts résisterait? Parce que dans ce cas-là, je peux lui faire une entrave forçant changer clair. S'il résiste, je lui fais entrave et puis utiliser changer clair. Il a pas résisté. Pas grave. Magnéti. On résiste à une attaque au moins Magnétus 300 fois. Non, même pas. Oh, t'es méchant. Oui, je préfère mettre toutes les cartes de mon côté, vous voyez. Ce qui prouve que là, le niveau n'est pas du tout exagéré pour moi. C'est assez bien fait, finalement. Tout à l'heure, contre Arty, je l'ai niqué, mais d'un coup. Mais là, je peux presque rien faire. Je suis obligé de stratégie. Retour. Je ne devrais pas me mettre KO. Peut-être plus de la moitié des points de vie, mais c'est vraiment... Waouh! Le pas de peau que j'ai pas eu. Espérons qu'elle ne fasse pas de... Alors là, c'est sûr que je suis plus lourd que toi. Alors là, tu vas t'en prendre plein la face. Alors là, c'était sûr. Et un autre niveau. Bah putain, gros tichon aura gagné des niveaux pendant ce combat. On m'avait prié de cours. Quelle honte. Je suis ébloui. Tu as dépassé mes espérances. Tu as du style et ta technique, c'est le rêve. C'est la fièvre. J'aime. Tu as bien mérité ceci. Badge en comptant le mien. Les Pokémon t'oublieront juste de 50. En plus, je te donne ma capacité préférée. Très bon en bon usage. Change éclair. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que je vais faire mal avec ça. Change éclair. Qu'est-ce que permet de changer un Pokémon après avoir un Pokémon? Bien sûr. Le changement ne fonctionne que s'il te reste au moins un Pokémon valide. Allez, au revoir, Amnesia. Ce fut un plaisir. Un instant, la sortie se fera ensemble. Les sœurs sont ça à leur façon.
tu as tout ce qu'il faut pour décrocher tous les badges et les BR à vide. Alors fais péter mes points. Vous rendrez tout le monde jaloux. Vous resplendirez. C'est ça pas dire ça. Mais là pour l'instant, les Pokémon sont très mal en point. Il vaut peut-être mieux que j'aille les soigner. Et après, il faudra que je les entraîne. Donc, prochain épisode, entraînement. Mais entraînement pour tous les Pokémon que j'ai. Finalement, je vais peut-être garder cette équipe-là pour l'instant. À part magnétique, je vais redéposer. Métalmorph, je vais le garder. Il peut avoir une très bonne défense quand il aura évolué. Hop. Hop, je garde ta mort. Est-ce que je ferais pas mieux les entraîner en off? Au lieu de les entraîner avec vous et de vous faire chier avec ça. Ce serait peut-être mieux. Hein. Croyez pas. Et... Minute. Faites quoi là? Rien de spécial. On a mis la vie. On se retourne à la question. C'est un problème. Faites rien. Mon œil. Sale voleur Pokémon. Je vous pardonnerai jamais. Numérotez vos abattis. Parce que j'ai grave la haine là. Eh bien, les lâcheurs sont pas comme de nos jours. Bon, on n'a rien contre toi. Mais tu mérites d'être mis à ta place. On va t'apprendre la politesse. Vite fait, bien fait. Franck, je compte sur toi. Ouais, alors attends une seconde du coup. On va remettre Riolu en premier hein, parce que. Ah, quoique. Bon, bah, si je veux les entraîner, je les entraînerai plus tard. Eh tu vas souffrir. Regarde un Pokémon que j'ai volé il y a 2 ans. C'est bien costaud. Miam, miam. Tu l'as volé il y a 2 ans, il a toujours pas évolué, bah putain. Au moins, elle va sortir des merdes en fait. Stockage, moi ça la défense, et en plus, il stocke pour faire un relâche en aval. Sauf qu'il n'aura pas le temps. Voilà, ça c'est fait. Impossible, ça fait 2 ans que j'entraîne. Bah, t'es vraiment un dresseur de merde. Hein. Ouais, ça va être à mon tour, et je ne ferai pas de quartier. Pas mal la musique, hein. Ça fait un peu d'électro. Ah putain, oh, cette attaque, elle fait chier. Ah putain. Putain de merde. Ah. Ben voilà. Putain, Riolu, je t'adore. Comment? Les Pokémon volés ne valent rien. Défaite. Horrible défaite. Comme il y a 2 ans. Se faire abattre par 2 mouchons, c'est dur à avaler. Et bon. Et petit produit, générer du billard et une petite récompense. Alors écoutez bien, nous sommes à la recherche d'un objet qui nous permettrait de faire des choses, mais les choses, vous n'imaginez pas. Alors, heureux de savoir ça, un plaisir. Il y a 5 ans, la frangine s'est fait voler le chacripant qu'on lui avait offert.
À cette époque, j'étais qu'un gamin. J'ai rien pu faire. Je m'en suis tellement voulu. Mais j'ai juré que je prendrai ma revanche. Bah, en tous les cas, chapeau pour cette rousse qu'on leur a mise. T'as du talent. C'est pas tout ça, mais... Tout est clair pour toi. Tu remplis ton Pokédex et tu t'améliores pour pouvoir m'aider. Je compte sur toi. Cette histoire me fend le cœur. Bref, bon, c'est vraiment, hein, c'est pas Yannickly. Donc, les amis, sur ce, moi je vais vous dire au revoir, car il a s'éteint, et vu que je m'en vais demain, enfin tout à l'heure, que je me lève à 6h, voire 5h du matin, étant donné que je n'ai pas, autant dire que je ne vais pas dormir longtemps. Donc, je vous dis à tous, ciao à plus, et vivement le prochain épisode et la prochaine session. Allez, salut! On sera fiers, notre destin nous attend.